Les pailles, ça fond dans la bouche, c'est un peu. Loin de faire l'unanimité, ces pailles en carton qui remplacent celles en plastique pourraient disparaître. Moi, je préfère en tout cas rester au carton plutôt que repasser au plastique, quoi. Depuis 2022, les objets de plastique à usage unique sont interdits par le gouvernement canadien. Un règlement invalidé par la Cour fédérale jeudi, interprété trop largement, selon la juge. Le fédéral, lui, c'était de classifier le plastique, si on veut, comme étant un produit toxique. Et c'est sûr que l'industrie a contesté ça et ils ont obtenu gain de cause. C'est des petites mesures, mais accumulées, ça fait quand même des gros changements. Donc ce serait peut-être bien de ne pas revenir en arrière sur ce genre de choses, quoi. Il faut utiliser les choses qui sont plus le carton, pour les pailles de carton, même que ce n'est pas vraiment efficace, mais ça aide beaucoup à la même planète. Si c'est, oui, c'est ça. Mais il ne faudra pas s'attendre à dire adieu trop rapidement à ces pailles de carton, parce que cette décision rendue par la Cour s'applique au décret fédéral et non aux règlements municipaux, dont ici à Montréal, où le plastique à usage unique demeure banni. Ça se fait dans certaines municipalités de bannir certains produits et de viser justement l'interdiction de certains plastiques à usage unique parce qu'effectivement, ils ne sont pas recyclables, ils ne durent pas très longtemps. Au Québec, la transition vers le carton s'est déjà faite dans plusieurs restaurants qui n'envisagent aucun retour vers l'arrière. Acheter des contenants styromousse, ça va être très compliqué. En date d'aujourd'hui, les producteurs n'en font plus, les entrepôts des distributeurs sont vides. Donc, on ne peut pas penser que demain matin, là, les pailles en plastique, les contenants styromousse vont revenir. Le Québec souhaite aussi interdire l'usage de ces types de plastique dès 2024. Il faut vraiment réglementer, c'est ce qu'on voit partout à travers le monde, si on veut véritablement réduire les plastiques et avoir des plastiques si on veut de meilleure qualité. Le gouvernement fédéral n'a certainement pas dit son dernier mot. Il tentera de contester la décision pour éviter la réapparition massive du plastique dans les commerces. Marc-Antoine Lemoignan, TVA Nouvelles, Montréal.